En 1947, l'histoire de Castelnau-la-Chapelle connaît un véritable bouleversement. Une star de music hall vient d'acquérir le château des Milandes sur la commune. Joséphine Baker choisit de s'installer en Dordogne. C'est ici que la vedette américaine élèvera ses 12 enfants adoptifs, sa tribu arc-en-ciel, comme elle l'appelait. Mais cet écrin de pierre de la Renaissance n'est pas le synonyme d'une retraite paisible pour la meneuse de revue. Joséphine Baker introduit le music-hall au cœur du Périgord dans les années 50. Les plus grandes stars viendront se produire au Milandes dans le cabaret aménagé au château. Généreuse et visionnaire, Joséphine Baker avait déjà imaginé le potentiel touristique du Périgord. Au château, la star a fait construire un véritable parc de loisirs avec piscine accessible au grand public. Aujourd'hui encore, l'héritage de Joséphine Baker reste très vivace. Son music-hall propose des spectacles dans la grande tradition des cabarets chers à la chanteuse américaine. Joséphine Baker s'est éteinte il y a tout juste 40 ans, le 12 avril 1975.